Hey. Ça brûle, ça brûle, ça flex, flex. T'es ma légende, cette caisse, caisse. Rien que dans les bails, rien que dans les projets. Tu sais que négro, on a le mindset. Get le terme à cette gadji. Putain, qu'est-ce qu'elle fait, crari. L'argent pour me consoler. On fait tout pour s'éclager. En direct de la Wonder avec Savage. Ok. Super Savage, ok. Et toi? Mais attends, ça va quoi? Et toi? Super. Allô ta pote? Ah, ma pote elle est pas là today. Elle a fui? En tout cas. Bon Savage. On y va? Aujourd'hui je teste ton rise. Tu testes quoi? C'est... Là tu sais ce que tu vas faire? Tu vas regarder une gadji dans les yeux et tu vas juste lui dire de faire ça. Comme ça. Juste? Là on fait challenge. Ah vas-y, vas-y. Juste ça. Si elle vient, tu me dis bonjour, c'est que ton rise il est puissant. Damn! Ah mais c'était pas tout de suite, j'ai pas commencé encore gros. J'ai pas commencé encore. Attends, avant de revenir à la vidéo, parce que oui, nous allons y revenir tout de suite, je dois vous parler du programme YouTube Automation. YouTube Automation est un business que j'ai lancé il y a quelques années de ça. Depuis que j'ai lancé ce business, j'ai pu être libre financièrement. Et j'ai pu sortir du salariat plus de 30 de mes élèves qui sont devenus indépendants à leur tour. Dans ce programme vidéo, je vais vous donner des instructions étape par étape pour que vous puissiez à votre tour devenir indépendant financièrement. Créer un revenu passif ou quitter littéralement votre job. Je vais vous montrer qu'il est possible de faire de l'argent en automatique sans montrer son visage, avec un simple ordinateur, une connexion internet et sans éditer de vidéos vous-même. Je vais littéralement vous donner les joyaux pour décrocher votre plaque en or. Je vais littéralement vous donner les joyaux pour devenir un entrepreneur à succès en 2023. Tout ce que tu as à faire est de cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez accès à une aide individuelle avec moi ou un de mes experts 24/24, 7 jours sur 7. Nous acceptons que les personnes majeures et sérieuses. Alors arrêtez de glander, arrêtez de procrastiner, cliquez sur le premier lien dans la description maintenant. Surtout si vous voulez gagner entre 5 et 10 000 euros par mois. J'ai bien dit 5 et 10 000 euros par mois. Clique sur le lien dans la description parce que nous avons que 300 places disponibles actuellement. Et je détesterais te voir rater cette opportunité. Ski ? Non, tu fais un vrai câlin. Câlin fort ici là. Hein ? Câlin. Ça fait un déjà. J'ai rien dit encore, t'as rien dit. Comment je fais ça, Savage ? Dis-moi. Quel est ce pouvoir ? Demandez à maman et papa. Quel est ce pouvoir, Savage ? Demande à maman et papa, c'est carré. Moi, je sais pas. Hein. C'est lui qui a le pouvoir. Attendez, tout à l'heure, on va le filmer, on va voir. Moi, j'ai aucun pouvoir. Non, j'ai aucun pouvoir. Non, on va voir. On va tester Striker. Je vais me tester pour quoi faire ? Moi, j'ai aucun pouvoir. Ah, si, t'en as un, vas-y, on teste. Attends, j'essaie, arrache comme ça. Attendez, moi j'apparais bien à la caméra. Non, t'apparais pas du tout. Le bâtard. Franchement, t'as qu'à sourire. Franchement, le rêve c'est très simple. En gros, c'est un homme. Si tu vois, on va voir. En gros, c'est un homme qui n'a pas besoin de parler. Ok. Ça veut dire que. On m'appelle, deux secondes. Ok. Alors. En gros, le reste c'est très simple. C'est un homme qui n'a pas besoin de parler. Tout est dans le charme, dans son regard et, sa silhouette, comment il habille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il a juste à faire, à regarder une fille, avoir un eye contact et lui dire de venir avec sa main. Et c'est parti. Ça, c'est un type d'homme en fait. T'as dit quoi ? C'est les rise, c'est les hommes qui n'ont pas besoin de parler. Exactement. Mais toi, t'as pas besoin, t'es une femme. On appelle ça un unspoking rise. Je peux faire ça, je peux être une rise. Non, mais toi, t'es une femme. Les books, ça marche plus facilement. Non, en gros, le rise, c'est pour les hommes, tu vois. Voilà, parce que ça marche facilement pour les hommes et les hommes. Hein ? C'est les hommes pour les hommes ? C'est que pour les hommes. Parce que vous, les femmes, c'est facile. Vous, les femmes, c'est facile. Parce que un bout, il te regarde, tu finis bien. Bah, j'ai pas compris en fait. Alors, je te réexplique. Oui, le rise, c'est un mec, il va faire ça. Non, en gros, ça, c'est le unspoken rise. C'est ce que je viens de t'expliquer. Et le rise, c'est la séduction pure. Quand je viens de parler, quand je t'aborde avec mes mots, avec mes gestes, comment je suis, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, son ou parfum ? Ça va ? Oui. Yeah.
Je suis parti me prendre un bubble waffle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pourquoi tu me regardes, Yago? Tu blagues? Ah. Tu veux rentrer dans mon vlog? Je vais te dire quoi dans ton vlog? Bien, tu dis j'aime Stryka, c'est le plus beau. Non, je vais pas dire ça. Tu veux dire quoi? Dis quelque chose de. Dis quelque chose de charismatique. Dis daddy. Hein? Daddy. Daddy? Viens toi et dis daddy. Moi? Moi je suis censurée, je suis censurable. Hmm? Moi je peux pas être à la caméra. C'est... Moi je suis à la DA, tu vois. T'as capté? Tu peux plus être sur ces vidéos. Mais moi en fait je suis. Moi en fait je suis déjà connue. Ah oui, en fait. Si je viens dans ces vlogs, ouais. C'est moi la star après. Ah ouais, c'est un. J'avais pas capté, mais en fait je suis bête. Donc je suis parti prendre un bubble waffle avec une qui est derrière là et qui parle trop, elle parle beaucoup. Depuis tout à l'heure elle fait que de parler, j'en ai marre. Elle est là, mais elle est là. Voilà. Et je suis avec elle. Italienne, mon italienne, mi amor. Algérienne. Oh italienne, mi amor. Et déjà parle italien comme ça. Déjà, en fait, mi amor c'est espagnol. C'est maintenant que tu me dis. Donc en fait, depuis tout à l'heure, il essaye de faire des trucs mignons et tout, mais. C'est maintenant que tu me dis que mi amor c'est en espagnol. Mais frère, qui sait pas ça? Enfin, je sais pas. Je te jure que je savais pas comment on dit en italien, je sais pas. Je te jure que je sais pas. Comment on dit? C'est tout ma gueule. Tu vois? Non, mais t'es né où toi? En France? Enfin, je sais pas. Lulu, tu sais que. Ta pote? Ouais. Putain, je vais la gérer sale. Oh! Attends, Lulu, j'ai une question. Tu sais comment on dit en italien? Mon amour. Mi amor? Non. Mais vous êtes sérieux? Ah, c'est mi amor. Mi amore? Non? Amore mio. Amore mio. Voilà. Ah, amore mio. Mi amore. Amore mio, mi amore. Mais pas mi amor. Mi amor, c'est espagnol. La Toscane, c'est trop beau. La Toscane? Amore mio. Moi je disais mi amor. Ah non. C'est en espagnol ça. Ah. Ah maintenant tu sais c'est espagnol. Ouais. Ouais, elle écoute juste ce que après, tu dis. Ah ouais. Il y a des similitudes un peu et tout, mi amor. Ah ouais, je vois. On vient d'apprendre un mot les mecs. Merci Lulu. Il est exactement 9h. Je suis debout depuis 6h. Samedi, demain, il y a l'événement. Donc je m'organise assez bien pour l'événement parce que je sais que demain. Il y aura beaucoup de monde et je pense qu'il y aura beaucoup de gars, donc il faut que je fasse un tri assez rapidement. Un tri par rapport au public et par rapport aux participants, il faut que je sélectionne les meilleures personnes. Parce que je sais qu'il y aura beaucoup de monde et je vais devoir en fait en dégager certains malheureusement. Ouais, ça me saoule un peu mais ça va être comme ça. Et même, il n'y a pas que ça, il y a aussi la reprise des événements. Donc en fait, je sais pas si vraiment je suis prêt pour la reprise. J'appréhende un peu, comme d'habitude, ouais, je refais les trucs, donc j'appréhende. Bon. Enfin, c'est pas comme si je le faisais pas tout le temps, tu vois, c'est pas comme si c'était un truc qui n'était pas habituel. Donc, juste, je me dis, faire la reprise, reprendre les événements et tout, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, est-ce que je serai dans la même hype, est-ce que les gens seront aussi hype comme moi je le suis, c'est ça le problème, tu vois. Je sais qu'à un certain moment, il y avait vraiment une grosse hype, donc tout le monde était hype de venir, tout le monde était hype de faire les événements sans qu'il y ait. Derrière penser quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué tout simplement parce qu'il n'y a plus cette grosse hype. Et du coup, est-ce que les gens sont dans le même état d'esprit que moi en fait quand je vais faire l'événement? C'est ça le truc que je veux savoir. Enfin, bref. Donc, ce matin, je vais bosser sur ma stratégie marketing. Parce que tout simplement, voilà, j'ai une formation qui est terminée, ok? L'automatisation YouTube, comme je vous l'ai dit, formation qui est terminée, une formation qui va me permettre tout simplement d'aider des personnes, d'avoir des résultats par rapport à ça, et qui plus est, si tout se passe bien, ben, on atteindra le sommet. Ça, c'est le plus important. Donc voilà. Donc ouais, je vais vraiment bosser sur la stratégie marketing, les funnels, comment les personnes qui vont tout simplement accéder à même pas accéder mais vouloir en savoir plus par rapport à ma formation, comment ils vont être redirigés, ça c'est le plus important, voilà. Parce que c'est bien d'avoir la formation, c'est bien d'avoir
avoir l'envie, mais s'il n'y a pas un marketing fait, s'il n'y a pas un public attiré, bah, ta formation ne sert à rien, quoi. Et donc, je suis obligé de bosser dessus ce matin-là. Donc là, ouais, je vais me faire un petit miro, un petit truc assez stratégique pour savoir le bon et le mauvais. En fait, je vais vraiment faire la balance entre les deux. C'est toujours important, vraiment. Et voir ce qui va vraiment me convertir le trafic que je vais faire. Parce que comme je vous ai dit aussi, je reprends tous les contenus, okay, tous les contenus qui m'ont mis en avant, que ce soit les micro-trottoirs, que ce soit les Smasher Pass, que ce soit les autres événements qui sont arrivés par la suite. Tout ce qui a marché pour moi, je vais le refaire, et que ce soit le stream aussi. Le stream, ça ne pouvait pas forcément bien marcher pour moi, mais je trouve que le stream, c'est très, très, très productif, ok. En termes de visibilité, quand je dis visibilité, vous allez comprendre, en termes de visibilité, c'est assez bien, puisqu'en fait, tu es là tout le temps, ok. Un stream, c'est vraiment pas du stream, mais réellement, mais je réagis à des vidéos sans être en stream, moi j'appelle ça du stream, donc voilà, vous avez compris. Mais du coup, c'est assez productif, donc je me dis que faire du stream me permettra d'être disponible pour ma communauté chaque jour, ok. Et fin du mois, je fais des événements, je réunis le maximum de monde pour faire des événements où les gens gagneront des choses. Ça, c'est vraiment mon optique. Et dans la même semaine, voilà, je fais du stream, et en matinée, genre l'après-midi, quoi, j'ai un micro-trottoir, et je vais aller voir des gens, des filles, des garçons, pour leur poser des questions, etc., etc. Je trouve que c'est une bonne routine, ok. Et je me dis que ouais, au niveau content, il y en a assez, il y en aura assez. Et je pense que vous allez accrocher. Moi, j'en suis sûr. En tout cas, tant que je suis optimiste, rien ne peut m'abattre. Donc, je reste toujours optimiste dans ce que je fais. Je reste toujours optimiste. Si vous ne restez pas optimiste, si vous y croyez pas, personne n'y croira à votre place. Donc, moi, je me dis, en vrai, j'y crois. Et fuck les autres. Si les autres ils veulent y croire, ils y croient. S'ils ne veulent pas y croire, ils y croient pas. Dans tous les cas, si moi j'y crois, si je suis dans mon intention de bousiller le game, on va dire, tout marchera pour moi. Il n'y a rien qui ne peut pas marcher pour moi. Donc voilà les mecs. Là, on va aller. Bon, il n'est pas encore l'heure, mais je vais faire quelques petits trucs et après. Est-ce que j'ai terminé? Est-ce que t'as terminé? Tu veux continuer? On va continuer encore.
Vas-y, on va encore faire un sparring. Là, je suis avec Boris. Là, il est... Là, elle est tombée comme n'importe quoi. Il est KO, là. Oh, putain. Après, ça m'a retourné au work. Ça fait du bien quand tu fais du sport, mon gars. Quand tu fais du sport, quand vous faites du sport, les mecs, ce qui est bien, c'est que vous videz l'esprit. Le sport, ça vide l'esprit. Ça, c'est ça qui est super bien. Parce que là, quand je vais retourner m'enfermer chez moi, là, je vais pas vous mentir, je vais être en mode rumination. T'as une femme, toi ? Non, j'ai pas de femme, gros. Non, je dis, je rentre chez moi, je vais bosser. Quand je suis en mode... Quand je bosse, je suis en mode... Non, j'ai pas de femme. J'ai pas de femme. Je suis encore une fille, mais j'ai pas de femme. Toi, tu vas la marier, ta copine ? Tu penses ? Si ça se passe bien, ouais. Là, ça se passe bien. C'est le but. Bah, c'est ça, c'est le but, là, c'est le but du relation, ça, c'est sûr. Non, t'as raison. Après, elle, c'est une étrangère, je crois. Tu vois, c'est pas la même mentalité que les Françaises. Hein. Ouais. Moi, je m'entraîne avec ça. Ça, c'est des paires de baskets, les gars. Ouais. Le Boris, a des vraies paires. Ah, c'est des... C'est quoi ? Tu connais la marque ? Des Nike. C'est des Nike, quoi ? Des Nike. Ouais, mais c'est un nom, si vous... Je sais même pas c'est quoi. En tout cas, elles sont super bien, ces paires. Il faut que je prenne les mêmes, je crois que je vais prendre les mêmes. Au début, je voulais prendre d'autres paires de baskets. Il y en a, je suis vraiment amoureuse d'elles. C'est, ouais, c'est des Kobe. Sont bien avec ces paires. Non, celles-là sont bien, mais j'en ai vu d'autres. C'est les Nike Kobe Gremlins. Ouais. Elles sont toutes vertes, elles sont vert fluo. Elles sont magnifiques. Ouais, et je me sens bien pour boxer avec, tu vois. Après, j'ai jamais essayé les paires de... Ça m'a jamais dit. Ouais, sinon, là, on enchaîne. On a fait combien de... Je crois qu'on a fait... 3... Attends, on a fait 3. 3, 2... 2 non, on a fait 3, 3, ça fait... 3 fois 3 minutes. 3 fois... On a fait... Non, on a fait 3. Si, 3 fois 3 minutes, stoppé. On a stoppé. 3 fois 3 fois 3 minutes encore. On a stoppé. Et là, on a fait 2 fois 2 minutes. 2 fois 3 minutes encore. Ok. Donc là, on est sur 6... sur du 8. Ouais. Non, 3, 9. Sur du 9. Ah non, on a fait 2, on a fait 2 à la fin. Ouais, t'as raison, donc 8, ça va, sur du 8. Donc on a fait des séries de 3. On a fait des séries de 3 x 3. Et là, on va repartir sur une série de 3. Hein. De 3 ou de 2, je sais rien. Tout dépend. Ils veulent se donner. Un mec m'avait frappé ce jour-là, j'ai dit, mais lui. Il est fou. Voilà, lui, il est juste venu pour vouloir me. Hey yo yo, what's up guys, it's my vlog today. Today we are about to train with Mr. Striker on the ring, the box. Les gars, on va niquer la race des Américains. Oh, vous êtes vraiment pas prêts. Donc là, ça va être très très grave là. Pour commencer là, on s'entraîne. C'est que notre premier jour, les gars. C'est que le premier jour. Donc nous, on a recommencé à zéro. On a recommencé à zéro. On apprend les bases. On apprend les bases. On a fait quoi aujourd'hui ? On a fait quoi ? On a fait l'échelle d'abord ? On a fait les. Ouais, on a fait l'échelle. On a fait. Bon, on s'est entraîné. Petit peu des sparring. Bon, voilà. On a fait un petit peu. Je crois, on a fait quoi ? Plus de 10 rondes. Ouais, on a fait plus de 10 rondes. On a fait plus de 10 rondes. Bon. On a fait plus de 10 rondes. Intensif. Intensif. Contrôle, précision. Juste après ça, on arrive aux États-Unis et on vous fracasse la gueule. Oh ! I swear. It's not gonna be, oh, Jake, but I from Tiger. Oh, I told you, not ready. Ils sont pas prêts. Non, mais ils sont pas prêts. Vas-y, critiquez comme vous voulez critiquer, les gars. Mais je vous dis, quand vous allez voir nos jeux de jambes, là, c'est ça qu'on vous dit, les gars. Restez concentrés. Alors. Voilà, je vais être nonchalant. Vous savez pourquoi je suis nonchalant, là, les mecs ? C'est tout simplement parce que rien ne se passe comme prévu. Là, je suis devant le studio, ok ? On devait démarrer la vidéo à 18h, il est 18h. Personne dans le studio, donc pas de gérant, pas de personne qui gère le studio. Et au niveau des participants, on est à 3 gars, allez, 4 gars, et toutes les meufs sont en retard. Donc vraiment, pour un retour, entre guillemets, sur les événements, c'est chaud de ouf, vraiment, je vous le dis. On devait être au total plus de 10, donc 5 filles, 5 hommes, et un peu plus, tu vois, peut-être 7 filles, 5 hommes, bref, un peu plus de 10. Mais là, on n'est que 4 devant. Hein. Il est actuellement 18h, comme je l'ai dit. Et c'est la merde. Bon, enfin, bref, on attend de voir. J'ai normalement le créneau jusqu'à 22h. Je ne vais pas attendre jusqu'à 22h. Si je vois que dans une heure ou dans deux heures, même dans une heure, si je vois qu'on arrive à 19h,
et qu'il n'y a toujours personne. Parce que même en plus, j'ai envoyé des messages par rapport au studio, ça ne me répond pas. En direction de la salle, donc on a déjà fait un petit événement, un événement, un petit comité aujourd'hui, puisque vraiment, c'est le retour. Il n'y a pas beaucoup de personnes, on n'a pas beaucoup de monde, mais ça va, c'est assez intéressant, c'est pas mal. Voilà, donc on est pépère ici, avec un petit jeu, deux petits jeux qui sont pas mal, que je posterai. Donc quand je posterai cette vidéo-là, vous verrez le jeu avant, je crois. Et voilà, en principe. Regardez comment elle est minuscule. Ah ! Une minuscule. Tu fais 1m combien ? 1m50. 1m50. Je vais me faire quoi, un câlin ? Mon téléphone. Je vais me faire un câlin. Enfin bref, vous avez compris les gars. Donc on se revoit. On se revoit plus tard. Ouais. Ok, bah, je vais mettre le reste à charger. Parce que ça peut continuer. En même temps, je sais pas exactement. Des sessions 20 minutes.